c'est mon meilleur ami du moment. Lui, mon extracteur de poussière. Quand tu fais de la fibre de bois ou toute haute isolation, quand tu l'installes, ça t'en fout partout. Il y a de la micro-particule. Regarde, ça s'accroche sur toi. Regarde-moi ça. T'as vu ça? Moi, je travaille avec deux trucs. Un face shield, on appelle ça. Voilà, petit black leader. Tu respires à mort super bien là-dedans, mais t'es bien protégé. Et des petites lunettes de Walt intégrales. T'as très peu de buée, tu vois bien ton taf, t'es bien à l'aise. Du coup, t'es bien. Mais le problème, c'est que ça envoie quand même des petites particules dans l'air. Je te fais un petit topo vite fait. En fait, quand je bosse pour tout simplement couper ma fibre de bois et dans le même environnement l'installer, il aspire de ce côté-là dans le filtre. Regarde ce que ça fait. T'as vu comment ça marche bien? Regarde-moi ça. C'est super efficace. Je coupe, il n'y a qu'un seul bouton, tu ne peux pas te tromper là-dessus. Hein. Voilà, c'est le truc le plus simple du monde. Hop, et quand au bout d'un moment c'est trop chargé, je prends le filtre. Tu vois, ça fait ça. Et je vais le tapoter dans ma poubelle. Et basta, voilà. Voilà, j'en ai deux différents en fonction de si c'est du M, du L, etc. Hein, tu me comprends bien, comme n'importe quel système d'aspiration. C'est un bloc qui est posé juste là-dessus. Et voilà, la bébête. Il aspire à mort, là. Plus j'ai condensé la pièce, là, donc j'ai réduit le volume, plus il va extraire ce volume rapidement et donc plus il va être efficace. Ça aspire ce qui est dans ta pièce et ça l'extrait de l'autre côté. Regarde, tu vois les bâches bouger? Oh, il fait bon là. Je te jure, il fait bon. J'ai utilisé ça sur un chantier où j'avais du ponçage à faire. Ben dans ces cas-là, j'ai un système avec la chaussette. Où est-ce que je l'ai mise la chaussette? Ah, je l'ai mise là-bas. Cette chaussette, hop, fait normalement le double de ça en longueur quand je l'ai acheté. Tu vois, il y a des capacités dessus. Tu vois, ça c'est du M. Donc en gros, moi je l'ai coupé en deux. Pour économiser, pour pas que ça prenne de place, j'ai mis deux clips dessus. C'est parfait. Il y a des petits ergots dessus. On cale tout simplement ça dessus. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Du coup, ça sert ça. Et regarde ce que ça fait du coup. Quand ça absorbe, attention, regarde. Voilà. C'est ce qu'on appelle une chaussette. Il n'y a rien du coup qui sort, tu sens juste quand tu passes la main une toute petite aération, c'est normal parce que bah, faut bien que l'air il sorte. Hein. Voilà. Et ça redescend. Ok, mais moi quand je fais la fibre de bois, ça, j'en ai pas besoin. Parce qu'en fait je capte juste les grosses poussières. Ok, je te laisse les références du commercial avec qui je l'ai acheté. Il est super sympa, tu vas voir, et je l'ai prévenu que forcément j'allais en parler, donc... T'as qu'à lui dire, tu viens de ma part, on sait jamais, t'auras peut-être un prix. Voilà le bébé. T'as un cordon qui est assez long, voilà, à utiliser. Voilà. Et moi, ça, je le couple tout le temps avec mon Miyoki parce que tu vois, je me fais un petit coup de force tout le temps comme ça. Donc, du coup, forcément, ça dégage dans l'air, mais moi, j'ai environnement toujours nickel pour travailler, pour éviter de marcher sur des vis, comme celle-ci d'ailleurs, que j'ai vidé de mon sac là. Faudra que j'enlève. Parce que j'aime pas faire des marques au sol, j'aime pas travailler dans le crâne, j'aime pas en ramener sous mes pieds pour ramener ça chez mon client. Et puis c'est peinard quoi. Donc le PVE 3000, extracteur de poussière. Franchement, avec ça, tu vas revivre. Moi ici, il y avait 230 mètres carrés. C'est un classique du genre, donc imagine quand tu tapes toute cette isolation à faire, ou toi toute ta baraque à faire. Parce que la fibre de bois, c'est pas nocif pour la santé, mais ça reste de la poussière. Donc moi, maintenant je travaille... Hop, je travaille peinard, je travaille en sécurité, je travaille surtout aéré parce que l'avantage c'est qu'il fait bon pendant que je bosse parce que comme ça aspire les poussières d'un côté, environnement sain, mais qui souffle de l'autre côté, bah il y a une circulation d'air qui fait frais dans mes combles. Franchement j'apprécie. Hein. Et franchement en ce moment grave, d'accord, parce que avant que tu aies l'isolation qui te fasse le job parce que tu l'as installé, en attendant toi sous tes combles, il fait chaud à travailler. Tu m'en diras des nouvelles si tu en as un. Parce que moi, c'est le modèle le PV3000. Il existe le 6000, le 9000, le 12000. Moi, ça, il a trouvé sa petite place, tu vois, d'ergonomie dans mon camion parce qu'il prend pas de place.
Donc j'ai pas besoin de plus. Tu vois, la taille de mon comble, c'est la taille de mes chantiers d'habitude de maximum. Je mets ça dans ma pièce, j'arrive très bien à gérer avec ça. Moi, le PU3000 me suffit largement. Maintenant, si tu veux utiliser ça dans une pièce où tu fais de la grosse démolle, avec tu sais, des bons coups de rainureuse dans le mur, etc., etc., peut-être un modèle supérieur, il te plaira. Voilà, petit investissement, je suis super content, je l'ai rentabilisé direct sur ce chantier. Sur ce, je vous dis, à tous les kids. Ouais, attends. Tu vois que je te dis, ça fait de la poussière là, d'accord? Bon allez, sur ce, c'est l'heure de rentrer. Petit coup de nettoyage. Et c'est parti, allez, ciao!